Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Transportiver pour ce peut-être dernier ou plutôt avant-dernier ou avant-avant-dernier épisode de ce let's play. On va commencer le tour en train avec le train de le revoir. Donc on va mettre en marche et on va monter dans cette BB 60 000 qui va faire le tour de la map avec son wagon château. Et donc on part de l'île, le plus nord de la map. Et on va aller en direction... Là on va direction Maudeville Fret. On va direction Maudeville Fret. Allez c'est parti. Donc on quitte les voies fret de l'île. Et donc ce sera les derniers épisodes. Hein. Ce sera les tout derniers épisodes de ce let's play, ça y est, on approche de la fin. On approche de la fin. Alors que j'entends un bruit de train. Ah ouais, bah c'est une Eurodual en mode thermique que j'entends d'ici. Là, c'est parti, on prend l'aiguille de droite pour la droite et on va s'embrancher sur la double voie. Alors que là, on va passer au-dessus de la voie rapide. Enfin, de la grande route qui passe juste là en dessous, là, via un tunnel. Alors qu'on croise une autre BB 60 000 avec des... Il y a des briques, il y a... c'est quoi, c'est des biens de conso? Ouais, ça a l'air d'être des biens de conso. Hop, normalement là ça va libérer, voilà. On peut y aller. Avec les balises KVB derrière le signal. Pour nous faire un freinage d'urgence si on respecte pas la signalisation. Hop, et on arrive sur la double voie. En diesel tout caténaire, on va croiser une log de la famille des bébés 67 000. Alors on a... Vous voyez, on voit que ça libère rapidement, on a qu'un wagon donc ça va vite. Ce wagon de briques. Avec ces villes bien développées là. On est bien au-dessus de la ville hein, quand même, la gare est très au-dessus de la ville. Mais ces villes très développées là, c'est magnifique. Ces villes bien développées. Bon après on va passer sur Paris donc ça va être encore plus développé. Là une jolie bébé de 15 000. Alors là, on va croiser les voies pour Dunkerque, mais il y a le train de voyageurs pour Dunkerque qui passe avant. J'essaierai de vous mettre la map, alors il n'y a plus grand chose à faire, hein, mais j'essaierai de vous la mettre sur Steam, si vous voulez la télécharger. Si vous voulez faire des trucs dessus... Notamment Polo, je pense qu'il va vouloir rajouter... c'est quelle ville déjà que tu veux rajouter? Je m'en rappelle plus. Mais Polo voudrait rajouter une ville dessus, bah tu pourras le faire. Et du coup, je vous la mettrai. Je crois pas qu'il y ait de mode impossible à télécharger, donc... Je crois pas qu'il y ait de mode télécharger autre part que sur le workshop, là. Avant, j'en avais, mais vu le bug que j'ai eu, je vous rappelle en début de... Au début de cette map, on était déjà parti sur une première et mon PC avait lâché. Mon SD avait lâché. Enfin, mon SSD avait lâché, donc du coup, j'avais tout perdu.
Donc on avait tout recommencé et... Et du coup les mods qui avaient posé problème sur la le précédent let's play, là normalement n'y sont plus. Et la BB 60 000 qui accélère petit à petit. Alors c'est pas trop dur pour elle, hein. C'est pas trop dur pour elle. Hein. C'est un tout petit train quoi. Après c'est des wagons qui sont assez lourds parce que bah ils sont blindés et tout pour éviter les radiations. Mais ça va, c'est pas non plus... C'est pas insurmontable pour cette lock quoi. Alors qu'on va croiser une Euro Dual en thermique, des elfes caténaires. Normalement, bah vu l'endroit où on est, l'Euro Dual elle devrait être en électrique, mais bon. Malheureusement, ouais, ça c'est une... Un petit problème du jeu, c'est qu'on peut pas lui dire de passer en électrique ou thermique. Si un jour il... Attends, j'avais pas passé là en... Je crois que je l'avais passé en 25 000 ici. Ah tiens. Ah. Je croyais l'avoir passé en 25 000 ici. Parce que là on arrive à Dunkerque. Normalement je l'avais passé en 25 000. À Calais. Ah bizarre. Il y a peut-être eu un bug. Il y a peut-être eu un bug. Ah j'ai juste oublié mais je pensais l'avoir passé en 25 000. Bon tant pis. Mais bon je le ferai peut-être en off. Je ferai peut-être rapidement en off. Enfin, s'il reste de l'argent là quand on va arriver. Parce que là en gros on est en train de vider le compte. Hein. Là il n'y a plus rien. Hein. Je pense qu'après il n'y aura plus rien. Et bon vu que c'est la fin du let's play on s'en fiche un peu quoi. Hop. Allez là on va s'engager sur la ligne Amiens-Dunkerque. Alors je crois qu'elle s'appelle pas comme ça en vrai, mais en gros c'est ça. En passant par Abbeville. Pour l'instant on n'a pas eu beaucoup d'arrêts là, bon, on est à 100 km/h, on est à la vitesse max de ce train. On est à la vitesse max de ce train, là maintenant on est sur la voie ferrée qui longe la mer. Alors, on a la mer là juste de l'autre côté. On devrait la voir encore un peu mieux quand on va arriver par là. Là dans, après la courbe, là, dans la courbe, on devrait bien la voir la mer. Alors qu'on croise une BB 75 000 avec quelques biens de conso. Y a pas grand chose. Et voilà la mer. Et en face l'Angleterre. Et là maintenant on va commencer la montée. On va commencer la montée vers la prochaine gare. Ça va assez vite quand même. Hein. On va quand même assez vite. Bah pour l'instant, le trafic, ça va. Après, on n'est pas dans une des zones les plus où il y a le plus de trafic. Hein. Plus tard, ça risque d'être un peu plus dur. Parce qu'il y a un peu plus de trafic plus loin. Alors que là, c'est... Mince, j'arrive pas à voir. Ah bah, c'est Boulogne-sur-Mer. Bah oui. Oui, c'est Boulogne-sur-Mer. Ouais, ça, c'est la gare de Boulogne-sur-Mer. Après, on va arriver à Berck sur mer. Après, Abbeville. Et après, on passe par la gare d'Amiens, on tourne avant. Pour aller sur la ligne de Amiens. Comment ça s'appelle ? Amiens-Rouen. Et après, Rouen-Maudeville. La ligne de Paris-Le Havre. Après, on partira dans l'autre sens.
Alors que là, on va croiser une classe 66. J'adore ces locks. J'adore ces locks aussi. Très joli. Alors que là, on arrive à la gare de Berck-sur-Mer. Voilà. Où il y a du monde, hein, il y a du monde. Et c'est surtout la fin de la zone électrifiée. Maintenant, on est diesel sans caténaire. Voilà. Donc logique, quelque chose de plus logique. Et on voit la mer, et je pense que c'est la dernière fois qu'on voit la mer d'ailleurs. C'est une des dernières fois qu'on voit la mer. Là-bas, on voit le tréport, et puis... Dieppe. Et là, ici, normalement, on a la Bethome. Alors qu'on croise un train de voyageurs. Avec des ribes. Et qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Normalement, c'est une classe 67. Enfin, pas une classe 67, une BB 67000, pardon. Voilà, une BB 67000. Désolé, je suis fatigué, je dis des conneries. Une BB 67000. Classe 67, c'est une lock anglaise. Et BB 67000, c'est une lock française. Et alors qu'on croise la Somme qui se jette dans la mer juste là. Alors normalement c'est beaucoup plus grand que ça, mais bon. L'estuaire est beaucoup plus grand que ça. Bon, la map est petite aussi. Hein. Hop, on passe le signal vert. Donc c'est bon, on continue. C'est vrai que je siffle pas trop. Mais ouais, la classe... La map était petite. C'est un peu le seul regret que j'aurais sur cette map, c'est qu'elle était assez petite. Et donc bah tout de suite les villes fusionnent. Ça c'est assez compliqué pour faire du réalisme sur cette map. C'est trop petit et du coup on se retrouve vite dans la galère quoi. C'est vite une galère. C'est vite la galère. Mais alors que là on a le... On a l'alliance entre la Normandie et la Picardie qui prend des gens pour Abbeville. Lynn qui, d'après les dernières news, serait sauvée. Bon, j'espère. On croise les doigts. Serait peut-être sauvée. Ce serait peut-être bon pour la réouvrir. Mais je sens qu'il va falloir faire ça assez rapidement avant qu'on dépasse les 5 ans de fermeture. Pour éviter cette loi à la con qui dit que dès qu'on dépasse les 5 ans de fermeture, il faut supprimer les PN. Ah, il y a bien une loi comme ça et ça me rend fou. Le problème c'est pas les PN, le problème c'est les automobilistes. Mais ça on l'a toujours pas compris. Ça on l'a toujours pas compris. Alors que là on va s'arrêter. Une dernière fois on va s'arrêter parce que là du coup on arrive à Amiens. Là c'est la ville d'Amiens. Et nous on va rentrer sur la ligne de Rouen à droite. Alors en vrai, il n'y a pas de raccordement comme ça à Amiens. Et il y a bien un train qui fait Le Havre-Dunkerque. Qui passe par la VU de Motteville-Montorlier-Buchy. Et je pense, alors j'ai pas de certitude, mais je pense, alors c'est souvent c'est une Euro 4000 qui le fait. Et je pense qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va jusqu'à Amiens, il va jusqu'au triage d'Amiens. À Amiens, il faut un tête à queue. Ils repartent dans l'autre sens. Parce qu'en vrai, à cet endroit-là, il y a le départ d'une voie unique qui monte, je sais plus où. Je sais plus où est-ce qu'elle monte, cette voie unique. Ou elle montait parce qu'elle est fermée maintenant. Malheureusement, comme beaucoup de voies uniques. Mais il y a un départ de voie unique à cet endroit-là. Donc, ils pouvaient pas avoir un embranchement comme ça, quoi. Et donc là, on arrive sur la ligne de Rouen. La ligne de Rouen. On va réaccélérer en montée là.
en rampe. Il y a un bug de bruit là parce que normalement là elle devrait être en train de cracher ses poumons là. Elle devrait être en train de cracher de la fumée la loc là. Et la loc elle devrait plus en pouvoir et elle arrive encore à. Et elle fait pas de bruit quoi, c'est bizarre. C'est très bizarre. Alors que là on passe la garde à Bancourt. Avec le trépas dans le fond là-bas. Et on arrive dans des zones que je connais très bien. Donc là à Bancourt on est à la limite de la Normandie, on n'est pas encore en Normandie à ce moment-là. À Bancourt c'est dans le. C'est dans la Picardie, je crois. Mais juste après à Bancourt on entre en Normandie quoi, c'est la limite. C'est vraiment la limite. Donc là techniquement on est en Normandie, ça y est. En fait, la ligne d'Épinay-Villateuse au Tréport, entre Abancourt et le Tréport, c'est la frontière entre la Picardie et la Normandie. Grosso modo. Grosso modo, c'est la frontière. Ça circule dans une vallée. Alors, c'est la vallée de la. De la Brelle, je crois. Je me rappelle bien. La veille de la Brelle et la Brelle coule vraiment à la frontière. Alors que là on passe Cerque, on a eu la ligne de Dieppe. Feu ligne Paris-Dieppe. Puisque malheureusement fermé pour des raisons complètement débiles. Et là, la section qui est encore ouverte d'ailleurs et qui est électrifiée d'ailleurs aussi. Qui va jusqu'à Paris, hein, du coup, Cercle Paris. Enfin, en vrai, c'est Saint-Denis. C'était Saint-Denis-Dieppe, donc maintenant c'est Saint-Denis-Cercle du coup. Mais voilà. Alors qu'on voit le train de machine dans le fond, regardez. On a vu le train de machine là-bas dans le fond. Je sais pas si vous l'avez vu. Avec la C-72-1100, cette locomotive respecte votre environnement. Hein. J'ai vu que ça en a fait réagir certains. Un peu l'eau. Alors, juste pour vous dire qu'en fait, on rigole beaucoup sur cette loc, quand même, en stream, parce que, bah, c'est quand même très comique de mettre sur une C-72-1000, même si c'est une C-72-1100, hein, elle consomme quand même 3 litres au kilomètre, donc c'est quand même très drôle de mettre cette locomotive respecte votre environnement, quoi. C'est assez comique quand même, quoi. Hop, et on attend pour pouvoir rentrer sur la ligne de Paris, Rouen-Le Havre. Alors que j'entends un bruit de train, je sais pas où. Ah, là. Alors ça doit aller à. Ça doit aller à Caen ça je pense. Ça doit aller à Caen ça je pense. Ah une petite caravelle, j'adore. Qu'est-ce que j'aime ces trains. Ça me rappelle quand j'étais petit que je lisais. Quand j'étais tout petit, hein, ça va vous faire rire, hein, mais quand j'étais tout petit, je lisais les aventures de Martine. Tu voyais de quoi je parle. Et il y avait Martine prend le train et j'adorais ça quand j'étais petit. Bah, je suis passionné de train depuis que je suis petit, hein, quand même. Hein. Même si maintenant ma plus grande passion c'est la voile, mais quand j'étais petit, j'étais passionné de train quand même. Encore. Et. Parce que j'étais passionné de voile assez tard, hein, mais ça a dépassé le train par la suite. Mais j'adore le train quand même, et depuis que je suis petit, ça. Et je me rappelle que sur l'image.
Enfin, sur la couverture de Martine prend le train, il y avait une caravelle. Ça, je me rappelle. Je me rappelle très bien. On voyait clairement une caravelle. Alors que là, on a une bébé 15 000 qui, la bébé 15 000 qui nous a gênés là, qui remonte en direction de Amiens avec. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Des corails en version Normandie. Oh là 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 là, c'est trop beau. Et avec une, oh là là, une petite bêtise derrière. Ça c'est beau. Beau et confortable. Et là vous entendiez tout à ce que je clash encore à l'être en récent. Ça m'a traversé l'esprit, mais non, pas envie, la flemme. Bon, par contre, c'est quand qu'ils ouvrent ce putain de carré là? Carré, ouvre-toi! Attends, on va siffler un peu, ça va peut-être les réveiller. Ah, voilà, ça les a réveillés! Aïe aïe. J'aurais dû vous mettre un One Eternity Later. comme tous les youtubeurs font. Hein. Alors que des fois ça dure même pas 5 minutes. Mais ils te mettent un One Eternity Later comme ça. Ça donne un. Ça donne un aspect un peu. Bon, ils nous font passer par ces voies là. D'accord. Je me rappelais plus par où ils nous faisaient passer, mais d'accord. Ça me dérange pas. On va être obligé d'attendre que le signal se réouvre. Pour aller jusqu'à Mauduville, et je pense qu'à Mauduville, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc ouais, il va y avoir quand même quelques épisodes, je pense, en fait. J'ai dit qu'il allait en avoir pas beaucoup. J'ai dit qu'on était peut-être à l'avant-dernier, mais non, en fait, il y en aura peut-être un peu plus encore. Il y en aura peut-être encore un peu plus. Pour dire au revoir à cette map. Mais je pense qu'elle le mérite. Parce qu'on se sera quand même bien amusé sur cette map. On se sera bien amusé sur cette map. Et donc du coup je pense qu'elle le mérite. Et puis bon, on va peut-être passer les. Du coup on va peut-être passer les 380 épisodes. Les 204. Non. Les 180 épisodes. Lol. Donc là on a un train en provenance du Havre et à destination de Paris. Et le signal s'ouvre, donc on peut y aller. Et on va aller jusqu'à la gare de Mauduville. Ah, ça c'est un des problèmes de ce jeu aussi, c'est les poteaux de caténaire qui, enfin les poteaux de caténaire qui se mettent en plein milieu des voies. On peut pas y faire grand chose malheureusement. On peut pas y faire grand chose. Donc là, on a le carré de la ligne de Dieppe qui part à droite. Voilà, le carré de la ligne de Dieppe, enfin la ligne de Dieppe là à droite. Et là, on va arriver à Saint-Valery, pas à Saint-Valery, mais à Mauduville, le début de la ligne de Saint-Valery. Le signal est passé au vert, c'est nickel. Et c'était un let's play un peu émouvant pour moi parce qu'il y a des lignes que j'ai recréées et que j'aimerais tellement voir des voyageurs circuler dessus. Il y en a où j'ai un petit peu d'espoir, il y en a où j'en ai aucun. La ligne de Saint-Valery, j'ai un petit espoir. On croise les doigts, j'ai un petit espoir quand même parce que il y a un député qui a l'air quand même de vouloir faire vraiment bouger les choses.
On croise les doigts pour pas que ce soit juste des effets d'annonce et qu'il essaye vraiment de faire bouger les choses. Et d'autres lignes où malheureusement l'espoir est très infime. Et voilà, et on rentre sur Maudville Fret. Et voilà, la gare de Maudville, enfin la partie Maudville Fret. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. 25 minutes de vidéo, c'est très bien. Du coup, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour regarder des prochaines vidéos. Et si vous voulez mettre like sur Twitch, on live tous les jours, sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.